Hey, coucou tout le monde, c'est toujours le Gratteur Fou. Alors là, je vais tester un petit jeu à gratter en ligne qui a l'air sympa, qui s'appelle le Zodiac Fortune. Alors je pars donc avec une balance de 300 euros et je vais jouer à 5 euros le prix du ticket. Allez, feu, c'est parti. On va cliquer ici, tout révéler. Alors apparemment, il y a un lot gagnant ici et on doit trouver trois symboles identiques pour gagner ce lot. Bah rien pour le moment. Alors on va gratter manuellement. Histoire de voir si on a plus de chance. Ça m'étonnerait, à mon avis c'est pareil, mais bon. Ok, un petit gain de 100 euros, mais try again, essayez encore. Ok, toujours rien. Ah, premier gain, 5 euros. Ok, pas grand-chose, mais c'est toujours ça de prix. Alors, là, je joue pour 10 euros. Ok, 10 euros de gain. Alors, si je pouvais gratter un petit 50 ou un petit 100 euros, ça serait sympa. Alors, 5 euros de gain, d'accord. Du coup, balance 280. Un petit peu de perte pour le moment. Alors 10 euros, c'est perdant. 5 euros. Alors apparemment, il y a pas mal de petits lots. Ça me fait un petit peu penser au ticket à gratter de la FDJ. Ah, 25 balles. Alors, est-ce gagnant? Eh non, même pas. Non, je disais, ça me fait penser un petit peu au ticket de la FDJ. C'est que des petits lots qui sont rangés par ordre. Là, parce qu'apparemment, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de super lot éventuellement proposé. Alors on peut gagner jusqu'à 50 000 euros, mais... Apparemment, je vois pas de gros montants qui figurent ici. Voilà. Alors, voyons voir. Balance 250. Bon, ça fait quand même déjà 50 balles de paumé. Il serait temps de gagner quand même des petits lots. Ok, un petit 10 euros. Euros, d'accord, ça me fait remonter à 255. Bon, bah, toujours en perte pour le moment. Alors, je sais pas si avec ce petit jeu je vais pouvoir arriver à faire un bénéfice ou non. Ah, ouais, là, apparemment, c'est tout le temps des petits lots qui sortent. Alors, ici, 10 euros, pareil. Et c'est perdant. Alors ici pareil, je joue pour 10 euros. Ok, un petit gain de 10 euros, d'accord. Voyons voir maintenant. 5 euros. Bon, apparemment, comme je disais, ça ressemble un petit peu au ticket de la FDJ. C'est pas mal de petits lots. Là pour le moment, je vois beaucoup de 5 euros, de 10 euros, mais... Je vois pas de lot un petit peu plus important. Alors, 5 balles. Allez, on rejoue pour 5 euros. Bon, il n'y a pas de lot faramineux apparemment qui sont présentés. Allez, encore 5 euros. C'est un peu comme les tickets de la FDJ, on en achète pas mal, mais on a pas mal de petits lots à 5 ou 10 euros. Voilà. Apparemment, c'est rare de pouvoir trouver des lots un petit peu plus importants. Bon, alors avec tout ça, balance 220 euros, ça fait 80 balles de perte pour le moment. Ah, 25 balles. Alors, est-ce gagnant? Ah, bah ouais. Ok. Premier petit lot un petit peu intéressant. Alors, est-ce que je vais en gagner deux de suite?
Eh non, try again, essayez encore. De toute façon, là, il me reste une balance de 230 euros. Je pense pas que je vais tout jouer avec ce petit jeu. Je vais peut-être me fixer une limite de éventuellement 150 euros. Et je descendrai pas plus bas. Alors là, un petit gain de 10 balles. Allez, 20 balles. Bon, ben même pas. Ah, 100 balles, ça serait sympa ça. Ça serait un petit lot pas mal. Ok, cool, d'accord. Ah ben, premier petit gain intéressant à 100 balles. Du coup, ça me fait remonter à 325 euros. Alors, si j'arrêtais maintenant, je ferais un petit bénef de 25 balles. Et je vais quand même continuer un petit peu, histoire d'essayer de pécho quelques autres petits lots intéressants. Alors là, franchement, j'y crois même pas d'avoir pu gagner 100 euros avec ce petit jeu, là. C'est un petit lot qui semble... apparemment, il apparaît pas souvent ici dans la zone... du gain à gagner. ...250 balles. Alors là, j'aimerais bien, franchement. Eh ben non, malheureusement. Alors apparemment, il apparaît beaucoup de petits lots dans cette zone ici. Rarement des 100 et 250 euros, mais... On a déjà gagné 100 balles, pourquoi pas plus? Ok, 20 balles de gain, d'accord. Bon, en tout cas, ça m'a bien fait remonter la balance, je suis quand même assez content de pouvoir dépasser ma mise initiale. Allez, un petit 20 balles, ça serait bienvenu. Ah ben non. Alors là, on va jouer pour 5 euros. Même pas. Allez, toujours 5 euros. Là, retour à 300 euros de balance de départ. Retour à la mise initiale. Alors, est-ce qu'on va pouvoir faire un petit bénéfice avec ce jeu? Parce que si je vais reperdre, je vais regretter de ne pas m'être arrêté quand j'étais à 325 balles. Ça fait toujours un petit bénéf, c'est toujours intéressant à prendre. Et c'est toujours mieux que de perdre. Alors, 25 euros. Hop. Est-ce que ça va sortir? Ah non, malheureusement. Bon, avec tout ça, hop, on est redescendu à 280. Alors faut espérer pouvoir faire une petite remontée. Mais je le sens pas trop ce petit jeu. Je peux pas dire que c'est un petit jeu que je sente qui va me faire gagner. Franchement, je suis pas trop confiant avec ce truc. Mais bon, on sait jamais. Si on peut gratter encore un autre petit lot à 100 balles. Ah ben non, toujours des 5 euros. Allez, encore un 5 euros. Qui est gagnant. Allez, 20 balles, ça sera un petit peu mieux. Mais non, toujours pas. Alors, une partie à 10 balles. Même pas. Bon ben là, ça fait quand même pas mal de parties consécutives qui sont perdantes. Donc théoriquement, il devrait y avoir quelques petits lots gagnants qui vont suivre. Bon, ben balance 230. Là, je suis bien redescendu pour le moment. Mais c'est bien dommage, j'avais fait une belle petite remontée avec ce petit lot de 100 euros. Alors, 20 balles. Non, même pas. Alors, peut-être celui-là.
Non plus. Bon bah là, ça fait quand même une plombe de parties consécutives qui sont perdantes. Alors, malheureusement, je suis bien redescendu. Hop, 205. De toute façon, je vais me fixer une limite de 150 euros. Ah, il y avait un beau petit lot à 50 euros, mais il était perdant. Donc, comme je disais, au pire, je descends à 150 euros de balance, je descendrai pas plus bas. En cas de perte, je compte pas risquer plus, car ce petit jeu, je le sens pas trop quand même. Alors, 20 balles, c'est même pas gagnant. Hop, 5 balles, petit lot de consolation. Alors, est-ce qu'on peut faire mieux? Ok, 20 balles. Ok, du coup, je reste à 200 balles de balance. On va voir si on peut faire une petite remontée. Mais ça semble quand même pas évident. Ok, donc plusieurs gagnants à la suite. D'accord. Allez, un petit 20 euros. C'est gagnant. Ok, pas mal. Après une longue série de grattages perdants, là il y a du grattage gagnant. Mais enfin, c'était que des petits lots. Allez, 20 balles. Hop. D'accord, c'est gagnant. Du coup, ça me fait remonter à 225. Allez, 50 balles. Eh ben non. Alors, c'est rare apparemment qu'apparaissent des petits lots à 50 balles ou à 100 balles. Ils apparaissent vraiment que très rarement. Mais encore, faut-il les gagner. Alors ici c'est perdant. Pareil. Il y a quand même pas mal de petits lots qui sont présentés. C'est pas des montants. J'ai pas vu de gros montants pour le moment. Alors on peut gagner jusqu'à 50 000 balles, mais il doit sûrement y avoir des lots à 1000, 5000, 10 000, tout ça. Mais apparemment, ils n'ont pas l'air décidés à se montrer. Même dans les parties perdantes. Donc, allez, un petit lot à 5 euros. Hop. Même pas. Alors, 180 euros de balance. Là, je m'approche quand même de ma limite fixée à 150 euros. Donc, il serait temps de faire une petite remontée. Sinon, on va devoir arrêter la partie. Allez, 10 balles de gain. On va voir pour celui-là. Encore 10 balles. Allez, 20 balles. On peut peut-être mieux faire. Allez, 100 balles. Celui-là, il est gagnant. Eh non, même pas. C'est vrai que les lots à 100 euros apparaissent tellement rarement que... on peut espérer pouvoir les gagner. Bon bah 160 balles de balance. Hop, 165. De toute façon là c'est ça sent les dernières parties. Si j'arrive à 150, je m'arrête. Si je continue à monter un peu la balance, je vais continuer, mais bon. Ça semble pas facile. Alors. Balance 150, là on joue pour 20 euros. Si c'est perdant, on va s'arrêter là. Alors il me faudra un deuxième poisson ou un deuxième, ça c'est le Capricorne. Eh ben non, même pas try again. Bon ben voilà, c'est un petit essai avec ce petit jeu à gratter en ligne Zodiac Fortune.
Bon, bah, apparemment, c'était plutôt la fortune pour le casino que pour le gratteur fou, voilà. Enfin, c'était un petit essai, fallait quand même tester ce petit jeu. Ça faisait un petit moment que je l'avais repéré. Et je me disais, un de ces quatre, il va bien falloir que j'essaie un petit peu ce Zodiac Fortune, histoire de voir. Bon, là, ça n'a pas été très chanceux, malheureusement. J'ai quand même réussi à faire une petite remontée au-dessus de ma balance de départ. Je suis monté donc jusqu'à 325 euros et j'aurais dû m'arrêter à ce moment-là. Mais le gratteur fou, il a voulu continuer, voilà. Bon, bah, sur ce, les amis, je vous souhaite donc une agréable journée. Je vous dis donc à très bientôt pour des prochaines sessions de petits jeux en ligne. Allez, ciao tout le monde!